gilets jaunes. Lanceur d'alerte. La merde, mais moi je lâche rien. Motivé par une démocratie, une vraie démocratie de peuple. Pas avec des bouffons d'oligarques qui naissent avec des cuillères en or dans la bouche. Je ne laisserai à la vie, le seul truc qu'ils connaissent, c'est envoyer les CRS. Chercheur de vérité. Révolution ! Yes ! On ne lâche pas ! On lâche rien ! Un mot à dire, c'est pour les street reporters jaunes, nous on dit la vérité. On montre les vraies images, pas comme BFM et compagnie, les médias de la télé. C'est que les médias nous manipulent, les autorités nous parquent délibérément, disent qu'elles se défendent alors qu'elles attaquent. Nous, on ne fait que nous défendre. Bien parlé. Et j'ai plein de témoignages. Merci les motards, on ne lâche pas, on ne lâche rien. Protège les motards. Zadiste. La démission de tout le gouvernement, du Sénat, de l'Assemblée. Le grand changement, c'est-à-dire que moins d'injustice sociale. Ça bouge. Ah, c'est en train de bouger? Ouais. On va voir, apparemment ça a gazé là-bas. Indigné. Alors pourquoi moi je suis là personnellement, un parcours chaotique, c'est à eux, contrat précaire sur contrat précaire, mon compagnon a dû fermer son magasin. On n'avait pas la chance d'habiter dans un milieu reculé où les gens s'entraident, ont déjà l'esprit des gilets jaunes sans le savoir. Que dire de plus qu'on est en France, droit des libertés, terre d'accueil, tout ça un peu oublié. 4-5 ans en arrière, personne n'aurait toléré ce qui est en train de se passer. Donc le contrôle de l'opinion est privé. Et moi je conseille fortement aux gens de venir discuter avec nous, entre eux, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et savoir surtout si on est content de demain. Voilà, c'est le truc que j'ai pour dire là-dessus. Est-ce que vous êtes rassurés pour demain? Est-ce que vous êtes content de ce qu'on nous fait? Anti-système. Même les rastas, ils sont au combat. Alors levez-vous tous là. Yes. Respecte la famille. Être humain souverain. Observez ce magnifique coucher de soleil derrière moi. Magnifique. Sachez que sur ma chaîne Dada Benz, Gilets jaunes, info, musique, débat, vous avez une tribune, ma chaîne est à vous. Comme ça au moins on pourra savoir la vérité, comme ça on pourra aller manifester avec les gilets jaunes à Paris, comme ça on sauvera notre planète. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Donc, si vous avez une annonce... Voilà, surtout, famille avec enfants, ne venez pas sur les manifestations. Ce n'est pas qu'on ne vous veut pas, c'est juste pour votre sécurité, ainsi que les personnes handicapées et les personnes âgées. Moi, je travaille sur le SAMU, donc voilà. On dissuade un peu ces gens-là, dans le sens où là, il y a un réel danger pour la population et on veut les avertir. C'est-à-dire, c'est comme si on y était. Qu'est-ce qu'on ferait si on y était? Qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Quelle loi vous trouvez? Une demande, des idées. Voilà, alors on m'a proposé d'expliquer cette petite consultation nationale citoyenne qu'on fait remplir aux personnes qu'on rencontre et qui veulent bien le remplir. Donc c'est une consultation qui a été mise au point avec les gilets jaunes de l'Aude qui nous l'ont envoyé. Sur des propositions de plusieurs gilets jaunes à travers la France. Ça tombe bien pour moi parce que la semaine précédente, j'avais proposé ça justement pour le quartier des citoyennes de Nîmes. Et donc, voilà, on pose des questions à cocher sur les gens qu'on rencontre.
gens qui sont venus sur les 5 thématiques propositions à revoir. Donc les 5 thématiques sont là: pouvoir d'achat, fiscalité, écologie et environnement, réforme de l'État, des collectivités, institutions, éducation, enseignement et santé. Donc il y a des propositions qui émanent des Gilets jaunes. On peut aussi trouver d'autres propositions personnellement, on les rajoute. Et donc on choisit 3 propositions, on coche, on prend la feuille avec les qualités, etc. Et ça remonte un sondage national, on va remonter à un témoignage. J'étais venu pour être tranquille, peinard, défilé sur les Champs-Élysées. Et c'est le gros boxon, c'est le canardé de bombes lacrymo, les CRS. À battre de nous, et pourtant on leur fait rien, on fait rien. Non, c'est... Allez les Gilets jaunes, il faut pas lâcher l'affaire parce qu'on va aller là-bas. Un appel à témoins, des questions, un coup de gueule. Je touche le SMIC, j'aurais pas augmenté 50 euros, j'aurais rien eu. Je suis dans la merde, Comme beaucoup de potes avec moi, lui il est handicapé, il est dans la merde. On touche une pension de validité de merde. Un radar avec nous, j'ai déjà vu ça. Voilà, 135 euros à chaque queue. Une vidéo à diffuser. N'hésitez pas à me contacter ou à participer à l'émission Gilets jaunes qui s'intitule On ne lâche rien, qui est un live participatif à thème ouvert à tout le monde. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a une prise de conscience, de plus en plus de gens ouvrent les yeux et prennent conscience des ficelles du système. Tu vois ? Au départ, les gens, ils s'attaquaient qu'aux marionnettes du système. Toute cette... Voilà, il y a énormément de choses que je découvre grâce à l'Internet, grâce au partage que des gens ils font des vidéos. Grâce à M. Jandroc, il y a d'autres gens, et qui, des économistes, tout le monde, ils disent, attendez, c'est quoi, hein? Tout simplement, je me suis dit, c'est pas possible. On a où nous sommes, qui c'est extraordinaire, le sens des partages et le sens de l'échange de simples citoyens. Sans aucune forme médiatique, super bien, hein, vraiment chapeau. Hein. J'ai vu sur le terrain, et justement, la force, c'est qu'il n'y ait pas de leader. Un gouvernement, on l'appelle pour gérer certaines situations, des situations sociales. Moi, je comprends un déstabilisateur de pays, un gars qui gère des situations de crise, quoi. Et les Gilets jaunes, c'est une situation de crise. Et si vous habitez la région des Nîmes, retrouvez-moi dans la vraie vie. Sur le terrain et la plupart des samedis matins au café citoyen des Gilets jaunes, parvis de la maison carrée en plein centre-ville, équipé de 2 caméras. Donc n'hésitez pas à venir vous exprimer. Non seulement je mords pas, mais il est même possible que ce soit moi qui vous offre un café. Sur ce, je vous dis, on ne lâche rien. Le pouvoir au peuple. One. Love.